Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de la campagne solo sur Call of Duty Modern Warfare. On va donc enchaîner avec la quatrième mission, les trois premières étaient géniales, franchement, quelle intro de dingue, tellement d'intensité, de l'action, de l'infiltration, tout ce qu'on aime. Allez, on continue. Bienvenue chez moi, Alex. Je me suis installé près de la base de Barkov. Histoire de bien le garder à l'œil. Prudence. Mère de sûreté. On fait les choses à notre manière. Pas de grenades, donc on improvise. C'est pas mal. Tu crois qu'on se bat avec des cailloux et des bâtons? Ah, c'est pas mal aussi, hein, les cocktails Molotov. Canon, lieutenant. Allez, oh là là, un gros succès. Oui, lieutenant. Les Russes ne comprennent que la violence. Alors moi, je leur en donne. Oh, tiens, une petite AK-98. On a également une AK-47 en arme secondaire. Ah, et apparemment, on peut prendre une PKM. Alors, j'aime bien les moissonneuses batteuses, mais quand même. Je pense que le combo AK-98 plus AK, c'est plutôt bien. On va rester comme ça. Est-ce qu'on est prêt? Oui, commandant, on est prêt. Eh ben, allez, envoie. Alors, percute un hélico pour l'abattre. Attends, comment on le dirige? Ah, c'est le cycle droit. D'accord, très bien. La base est droit devant, donc il faut abattre un hélicoptère. Hein. On est bien d'accord. On va s'éclater avec ces petits joujoux. Ok, oui. Oh, j'ai un hélico en vue. Je vais t'exploser, mon pote. Et contact. Oh, mais c'est génial. Bravo, mon frère. Allez, on y va. Alors, si on peut utiliser ça pendant la mission, ça va être le top. Le turfu. Écho 3, Watcher. Les troupes locales attaquent la base aérienne de Barkov. Demandons soutien aérien. Bien reçu, 3-1. J'envoie un hélicoptère non marqué sur votre position. Mettez-vous en position, ici. Compris. Tenez-vous prêt. On va attaquer leurs arsenaux, récupérer leurs armes et prendre l'aérodrome. Oui. Cousin, nous nous battons pour libérer l'Urzikstan et reprendre notre pays. Pour l'Urzikstan. Pour l'Urzikstan. Tirez au canon. Le canon. Allez, je me fais un petit plaisir avant que le canon arrive. Oh là 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 là! Quelle mise en scène! C'est parti! C'est la guerre! Oh, ça va être énorme! Allez, petite tête! Oh, on dirait qu'on était quasiment synchro! Ah, t'as vu, j'ai tiré, ça a pété! Incroyable! Ok. Ah, franchement, je sens qu'on va se faire plaisir hein, dans cette mission. Hein. Ok, oui, si en plus on peut diriger des petits avions télécommandés, ça va être le top. Oh là, attention! Ah, il y a une sorte de petit lock auto. Alors, il est pas exagéré pour autant, parce que dans certains jeux, c'est terrible. Hein. Selon les réglages, parce que pour info les amis, on peut régler le lock auto, hein. On peut le mettre de manière... On peut lancer des cocktails aussi, c'est vrai. Ah oui. Attendez, ils sont où, là-bas. Petit cocktail. Oh, je le brûle. Incroyable. Attends, je renonce un petit peu parce qu'il me semble qu'il y a un gars ici. Coucou toi. Je te déloge. Mon équipe sur la droite. Ok, ils sont avec moi. Attaque à 47. Tu l'as vu en haut, il me semble qu'il y a quelqu'un, non? Là-bas. Ouais, bien shooté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, piloter les avions télécommandés. D'accord. Allez, apparemment on a des hélicos. Oui. Maintenez RT pour accélérer. C'est parti. Oula, attention. J'ai cru que j'allais aller trop haut. Et non, finalement c'est bien passé. On peut encore. Je sais pas du tout combien on a d'avions télécommandés. En tout cas, tant qu'on en a, autant s'en servir. Il me tire dessus. Pleine face. Ah, oh, c'est énorme, sérieux. Est-ce qu'on peut continuer encore? Je sais pas du tout. S'il y a moyen. Sortez de là. Je l'ai eu. Ouais, il me semble que oui. Tellement incroyable ce jeu. Et les mecs là-haut, non? Ce serait bien de les déglinguer. Voilà. Ensuite, il y en a en bas. Même si qui était un petit peu. Je vais bien tuer en général ceux qui sont en haut. Tu vois, comme ça au moins ça débarrasse le plancher. En général, c'est les plus dangereux. Ceux qui peuvent t'embêter le plus. Semble en avoir vu un ici, mais je suis pas sûr. Allez, on avance. On a la qu'un pour du combat à plus courte portée. Oh là! Salut toi. T'es avec moi. Ça arrive par là il me semble. Oh la vache. Effectivement. Voilà, ça va être un petit cocktail. Attends, je prends la AK-47, ça va envoyer du lourd. Cadeau. Bon, c'est un petit peu au pif. Mais je pense qu'on touche pour autant. Ok. On va rester un peu planqué hein, tu permets. Je pense que ça vaut mieux. Ils sont, j'en ai vu un au fond là-bas. Oh, on voit la grenade vide. Oh la vache. J'ai flippé. Dégage. Ok, sur le côté. Là-bas, fais gaffe.
Fais gaffe, il est aussi devant. Je suis mort. Ah ouais, c'est dur quand même. Ah oui, il y a quand même un petit peu de difficulté, hein. J'en ai qui sont venus par ma droite. Ils m'ont surpris, bon c'est pas grave. Allez, on recommence la séquence. Ah, tu vois qu'il y a quand même du challenge, hein. Très bien. Bon. Ah oui, parce que du coup, ils viennent par là-bas. Ouais, faut pas avancer aussi rapidement, en fait. On va se calmer, le cocotier. On va reculer un petit peu. Tranquille, toi. Tu vois, parce que là... Ouais, on prend trop de risques. Calme-toi, toi. Pas avec moi non plus. Bah non. Ah, mais ils viennent carrément par derrière, t'as vu? Je suis choqué. Je pensais pas qu'ils venaient aussi... Ah ouais, donc non, fallait rester vraiment en retrait, là, encore. On va rester ici. Ah oui, c'est vrai qu'on peut lancer les drones. C'est une chaise. Je me demandais si c'était une chaise ou encore autre chose. Ah, d'accord, on a deux snipers là-bas. On peut envoyer éventuellement un avion télécommandé sur la tour. Tu penses que ça marche? Je pense que ça marche. Oui, bien sûr que ça marche. Non, vraiment, je pense qu'il faut en abuser pendant cette mission. Par contre, on est limité, il me semble que j'en ai plus. C'est comme ça. Ok, je lui ai fait la petite tête des familles. Sympathique. Ils sont pas remontés là-haut, heureusement. Ok. Voilà. Ensuite, donc comme quoi on peut passer un peu partout. Hein. Ouais, attention, renfort, il faut courir. Aïe, aïe, aïe. On se planque. Et là maintenant, on peut réutiliser les avions télécommandés. Hein. Let's go, parce qu'il me semble qu'il y avait un véhicule. Ok, les gars. Voilà. Fait exploser par ici. J'en ai d'autres. Effectivement, autant se faire plaisir. Ils sont par là, faut quitter le véhicule. Je sais pas si ça a fait exploser la voiture en même temps, je suis pas sûr. Ok, alors le son des armes c'est super bien foutu, hein. Sans déconner, je sais pas si je l'ai eu. Pas sûr du tout. Non mais les drones c'est bon, pas trop non plus les gars, ça fait un peu trop de shit après. T'as pas eu le temps de me toucher, pas mort. Oh le con. Incroyable. Ouais par contre je suis un peu surpris qu'on perde de la vie aussi rapidement. Ok. C'est bon, autant prendre le temps de viser, hein. Allez, on est dans la campagne. On n'est pas en multi, les gars. C'est pas des flash cops de partout, hein. Par où ensuite? À gauche? Ok, ici. Waouh! Non, à droite aussi. C'en est un qu'on avait oublié, ça, non? Bâtiment rouge. Ah oui, là-bas. Ok, on recule. Les gars, recule. Je suis en plein milieu de la pampa. Mon dieu! Eh, c'est chaud, sérieux. Déjà, cette mission-là, c'est que la troisième. C'est chaud tonight. J'ai peu de munitions, attention. Va falloir qu'on fasse le plein, je l'ai pas vu lui. Ah d'accord, il est là. C'est bon. Eh ben je n'ai plus de mun. Est-ce que quelqu'un aurait des munitions? Je me souviens dans la campagne de WW2, on pouvait en demander. Et là apparemment, elle s'en bat les steaks. Bon, tant pis, c'est pas grave. On a toujours la AK-47. Mais bon, ça va peut-être pas suffire pour le combat à distance. On va pas récupérer des munitions par là, non? Mais que dalle, oui. C'est quand même la tristesse. Ou la porte. Bon, on avance. Hein. J'espère que je vais en récupérer sur les ennemis quand même. Parce que là, on est limité. Ok, calme-toi. Oh, derrière moi! D'accord, je me suis fait tuer direct. J'ai pas compris. Eh, c'est l'enfer, sérieux, cette mission. Attends, je passe par le bâtiment ici. Il y a le... Wow, je l'ai vu. Le truc rouge juste à côté. Il y a combien d'ennemis qui déboulent à la seconde, sérieusement? Apparemment ils sont tous là, faut qu'on se servir un peu plus des cocktails Molotov. On va essayer de les contourner. Salut. Cadeau. C'est pour vous. Brûlé. Grenade, attention. Je préfère partir. Ça vaut mieux. Point de contrôle. C'est pas fini. Brûle. Fais le ménage. Voilà. Respire maintenant. Wow. Tout ça. C'est une blague. Attends. Tu es là. Oh, ils sont deux. Première armurerie dégagée. Bon travail. Rejoins-moi dehors. Eh ben, nom de Dieu. Regroupez-vous là. Attends, je prends une petite carabine. Tu permets. Là, on peut récupérer des munitions. Justement, c'est ce que je voulais depuis tout à l'heure. Grenade flash. Super, on est bien. Donc, on a ça, plus un petit pompe en arme secondaire. Ça me paraît plutôt bien. Allez, ça devrait le faire. Une petite FN Scar. Ça s'ouvre pas. Prends un Molotov. Vas-y. Merde.
doit passer par là pour rejoindre le tarmac. C'est le seul moyen. C'est ce qu'on peut faire. Je vais foncer dedans. 3-1, Watcher, on arrive au tarmac. Où est le soutien aérien? Écho 3-1. C'est parti! Par contre, le temps de viser, il est long avec, avec l'Ascar, hein, c'est terrible. Ah oui, d'accord! T'as l'hélicoptère droit devant! Traverse vite! Incroyable. Oh là là! Et c'est là que je regrette de pas avoir ma Car 98 hein, pour être avec vous. Je vois l'hélicoptère par ici. Ah ouais, donc là, il faut envoyer un avion téléguidé. Tout de suite sur l'hélicoptère. On le sait bien. Boum! Calme-toi. Est-ce qu'on peut en envoyer d'autres éventuellement? Ce sont les ennemis là. Allez, c'est parti! Voilà! Ça fait le ménage! Non mais oh! Ah pas non, bande de barjots! On en envoyer un autre? Attends. Regarde, où est-ce qu'ils sont? Par là! Voilà. C'est pas mal. Dans le mille, bravo, merci. Je pense que voilà, si je voulais rester en vie pendant toute la mission, fallait s'en servir encore plus. Fallait vraiment en abuser un petit peu. Mais bon, j'aime bien aussi quand on ne rentre pas toujours dans la facilité, tu vois. Allez, alors, on continue par là-bas, je suppose. C'est loin d'être fini. Suivez-moi, on se dirige vers le tarmac. Oh, merde. Calmez-vous. Je t'ai vu, reste un petit peu planqué derrière le casier. Il y en a un par là, il me semble. La bruit qu'elle fait, l'Ascar, c'est hallucinant. Écoute-moi ça. Méfiance, méfiance. Personne par là? Jure, je vois personne. Les drones sont morts. On a besoin de soutien. Sniper, attention! Il y a un sniper, il me semblait, hein. Il y a un sniper, mais je n'ai pas ma Car 98. Ça aurait été vachement bien. Attends, je passe, je traverse. Où est la dernière armée? On va accélérer. Sniper au gars, de l'autre côté. Si on trompe, la base est à nous. Ok, j'essaie d'allumer le mec dans la tour. Je ne fais pas ça à marcher du tout. Ok. Le gars, je l'ai allumé ici. Avancez les mecs. Ouah, non, on n'avance pas finalement. Cocktail. Oh, bien joué ça. Bien visé, mon gars. Bien visé, attention le sniper. Ah ouais, là, on est obligé de jouer vraiment avec les accessoires et tout. Hein. Attends, est-ce que je peux envoyer. Non, j'ai pas d'avion. J'ai pas d'avion de dispo. Au fond. Le sniper qui fait très très mal. Hein. Là, j'aurais un avion, tu vois, je l'aurais. Oh shit! J'aurais un avion, je le renvoyais simplement sur le sniper. Parce qu'il est relou. Comment faire, comment faire, comment faire? Oh. Tu vois le sang qui gicle. C'est excellent. Oh, je fais une petite tête à celui-là. Il reste à couvert. Allez, avance, avance, avance. Non, faut y aller les mecs. Oh non, ça fait exploser! À plat ventre. À couvert. Protection. Oh, je me suis fait explosion en pleine tronche. La grenade. Oh là, ça fait mal là aussi. Non! Ah, je suis mort, mais non! Dommage! Eh, mais franchement, tu meurs trop facilement dans ce jeu, c'est dingue! Ok, mais c'est moi qui ai merdé parce qu'encore une fois, il y avait la grenade, j'y suis trop. Trop allé rapidement, quoi. Alors, heureusement, ce qu'il y a de bien, c'est que la réapparition, elle se fait tranquille. Vraiment, c'est cool. Parce que tu réapparais vraiment pas loin. Donc ça irrite pas trop quoi, tu vois. Allez, recharge bien correctement. Il y en a là-bas, non? Effectivement. Ok, je l'ai eu. Par contre, je suis toujours tendance à trop recharger, hein, je le sais. Le véhicule a déjà explosé ici, donc c'est bon. Où est-ce que c'est foutu sniper là? Il est mort? Ah ouais? Cocktail. Je sais pas si j'en ai touché un, bonne question. Ah là, mais les grenades! Elles explosent tellement vite en vrai. Ok. Je pense qu'on peut y aller. Au pire, on y va à fond, on s'en fout. T'es mort. Oh non! Je prends feu! Il fait chaud tout d'un coup! Je les entends! Alex, ouvre la porte! Couvrez-le! Ouvrez la porte, ah oui, dans le bâtiment. Ah, il y en a un qui vient de traverser le mur! C'est par là-bas, hein. Deuxième armurerie. Allez! C'est verrouillé! Il y a une trappe sur le toit. Alex, viens m'aider.
Ok. Courte échelle. Quelle mission, les enfants ? Incroyable. Oui ? Je monte. Voilà. On peut faire... Tu soulèves la trappe ? Et je tire. C'est parti. C'est bon, tu l'as eu l'autre ? Très bien. Et bah voilà. Dernière armurerie sécurisée. Rejoignez-moi pour vous ravitailler. Perds pas de temps. Les renforts ennemis arrivent. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je garde pompe ou je prends le lance-grenade ? Ouais, je sais pas trop. Le pompe, on a beaucoup plus de munitions. Je préfère prendre ça. Hein. Les cocktails. Oui, on va rester sur les cocktails. Les cocktails, j'aime bien. Ça prend feu. Je pense que ça fait peut-être plus mal qu'une grenade. Après, ça dépend comment c'est joué. Pas encore fini. Allez. Pourquoi la porte se referme ? Tu m'expliques ? Je ne sais pas. Wow ! Ils ont coupé le courant. T'es sérieux ? Coincé. Ah ouais. Bon, les projets là-bas, ça a rien à voir. Attention, le camion. Ça roule ma poule. C'est quoi ça? Oh, attention! Véhicule dangereux! Je crois qu'on va se coucher. Faut se barrer, non? Non, je sais ce qu'on va faire. J'ai pas un appui à rien. Ah oui, c'est encore mieux. Sniper, ici 3-1, on est content de vous entendre. Alliés dans le hangar, on se fait tirer dessus par les troupes sur le tarmac. Autorisation d'ouvrir le feu. Alors, volez vers l'avant. Viper en approche, cible en vue, tir imminent. Roquette, ok. Oh, mais c'est excellent. Regarde ça. Ah, c'est trop bien fait. Choqué. Attends, réarmement. Canon automatique. Voilà. Eh, mais c'est ultra précis. Incroyable. Ah non, franchement, c'est surprenant. On se rend pas compte à quel point c'est. C'est ultra précis. Voilà. Allez. Bien joué. Oh, comment on déglingue tout. Ah, c'est ouf, sérieux. J'adore. C'est bon, les gars. Non, non, on va tous les tuer. Voilà. Rien à faire. Voilà. Moi, je ne laisse aucun survivant. C'est bon, là ? Vous avez votre compte ? Là, je pense qu'il a son compte. Qui s'appelle repeindre le paysage. Toutes les cibles ont été détruites. Aucune activité ennemie sur le tarmac. À vous. Reçu 5 sur 5, Viper 1-1. Attaque terminée. Merci du coup de main. Revenez quand vous voulez. Toujours un plaisir, 3-1. Terminé. Alors tu tues les Russes. Seulement les méchants. C'est une grande victoire pour l'Ursixtan. Merci mon frère. On forme une bonne équipe. Oui, on progresse. Mais Barkov va se manger. Nous aussi. Alex et les forces du commandant Karim ont détruit la base avancée du général Barkov, ce qui limite temporairement les capacités aériennes russes en Ursixtan. On doit agir vite. Sergent Garrick, grâce à vos renseignements, on a pu suivre la cellule Alcatala responsable de l'attaque de Piccadilly jusqu'à une maison dans le nord de Londres. Trois équipes des SAS vont entrer dans cette maison. Si le loup est en possession du gaz volé en Ursixtan, on doit le trouver. Faites attention. Il est possible qu'il y ait des civils sur site. Vérifiez vos cibles. C'est tellement immersif que t'as presque pas envie de causer, quoi. Allez, on est avec le sergent Garrick. Et c'est l'heure du grand nettoyage. Même si, bon, à la mission d'avant, c'était déjà un sacré nettoyage. Bravo, 6. On entre dans le jardin à l'arrière. Allez, allons-y. Bravo, 6. Ici Alpha 2. On est sur le point d'entrée dans la rue à l'ouest. Bien reçu.
qu'il y a moyen d'activer les lunettes à vision nocturne, non, des fois que... Il y a une échelle, les gars, si vous voulez. Ah d'accord. Si vous voulez. Moi je vais passer par en haut. Hein. Ah tu veux que je passe par en haut? Ah d'accord, mais fallait le dire avant. Le mec qui avait tout compris. Ok. Donne-moi à chauffer. Chut, silence. On a pris contact avec un groupe ultranationaliste. Ils vont prendre les choses en main à l'est après les attaques. Je lui fais confiance. Mais cette mission est un échec. Alors c'est pas un échec. Okay. Tes frères sont pas morts en vain. On était censés faire deux fois plus de victimes. On parle que de ça à la télé. Mais c'est le but. Ah d'accord. Ils sont ici. C'est bon. Ils sont ici. J'étais un peu crédule. Je me suis dit, la femme, on va voir si elle est avec eux. Mais bon. Voilà. Ça, c'est mon côté gentleman. Il est mort ? Non, j'assure le coup quand même, on sait jamais. Ok, utiliser une aide vision nocturne. Ah bah voilà ! Ah, merci, ça va mieux ! Je connais la touche. Bravo, 6, on passe au premier étage. Il y a encore du bruit, hein. Ok. En douceur, hein. Ok, il monte par là. Bien. Cible derrière la porte. Allez, mouvement en douceur. Oh merde. Ah, j'ai tué la terre. Bien sûr. Sorry. Sécuriser tout l'étage. Ah, c'est chiant. Putain. Oh le taré. Étage sécurisé. Avec moi. Il est en train de chier, non? Non. Attends, moi, si tu me déranges pendant que je suis en train de poser mon cake, ça va pas le faire. Hein. Ok. Ah, je suis un peu déçu d'avoir tué une cible qui était apparemment inoffensive. Si ça se trouve, elle était avec eux, hein, on sait pas. Hein. C'était peut-être une prise d'otage, une fausse prise d'otage. Ça arrive. Apparemment rien là-bas. Oh, c'est tellement la pression. Attention! Putain, mais gros! J'ai vu qu'il y avait une porte! Ok. Ok. Attention qu'il n'y en ait pas d'autre. RAS dans la chambre. Il n'y a personne d'autre. Ah ouais, effectivement, on a besoin de la vision nocturne. L'étage est sécurisé. Rejoignez-moi aux escaliers. Ah bah ouais, là, il s'est bien fait toucher, hein. Forcément. Allez, capitaine, on continue. Bravo 6, on passe au troisième étage. Elle est grande, hein, cette maison, hein. Oh. Je trahirai jamais le loup. À mon avis, on a les plus dangereux par là. Ah, attention, ça veut dire qu'on va avoir des... comme tout à l'heure. Mais en l'air, tout de suite. On va faire attention. Attention. Sécurisez-les. Faites taire les gosses. D'accord. Faire quelque chose? Non, je sais pas. Attends, je vais dans l'autre pièce. C'était quoi ça? Tu penses que c'était sympa ça? Où ça? J'ai pas compris, je voyais rien. J'ai pas vu. Ah, j'ai un souci, docteur, là, j'ai un problème de vue. Ah d'accord, tu nous remets là, bon bah c'est parti. D'accord, t'es comme ça. Mais où? Ah mais sous le lit. Oh la vache. Elle était sous le lit. Ah, je m'y attendais pas. D'accord, mort deux fois pour une connerie comme ça, quoi. Ah ouais, elle va sous le lit. Mais ça. Mais c'est tellement bien joué. Dernier étage, passez
Enfin, il, je dis elle, mais... Ah, enfoiré. J'étais surpris là, je t'avoue. On doit sécuriser le dernier étage. Ok, j'y vais. Hein. Dernier étage. Fermé. Je m'en occupe. Vous allez foncer ? Non. Essayez de les prendre vivants. Bien sûr, si c'est possible. Oh, y'a personne à gauche, donc c'est pas. À terre, à terre ! Tirez pas ! Tirez pas, pitié ! Attention. Ils allaient me tuer ! Bouge pas ! Ils m'ont enfermé là-dedans ! Ouvrez feu ! Bouge pas, j'ai dit ! Ne la tue pas, ne la tue pas. C'est bon. Bon, d'accord. À toutes les unités, bâtiments sécurisés, cherchez des infos, bien reçu. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Putain de merde ! C'est un putain de détonateur qu'elle cherchait. On a bien fait de la tuer. On a pris la bonne décision, chef. Et pas qu'un peu. On a l'emplacement du loup. Le grenier de la maison d'Alcatala était une mine d'or. On aurait trouvé le loup. Les communications remontent jusqu'à l'hôpital de Ramaza, en Urzikstan, où serait sans doute caché le chef d'Alcatala. Les hommes de Farah vont surveiller les terroristes à l'hôpital, pendant que les marines seront sur place pour progresser dans le bâtiment. Echo 3-1 va capturer le loup pour interrogatoire au sujet du gaz russe volé. Commandant, les hommes d'Alcatala ont envahi l'hôpital. Tout est calme maintenant ici. Bien reçu. Continue de nous tenir informés. Mes hommes confirment que l'hôpital est assiégé. Alcatala se sert de civils comme bouclier humain. Il protège quelqu'un. Ou quelque chose. Plus on en saura. Tout va bien, Farah. Adir est mon meilleur tireur. Tu peux compter sur lui. Et sur tous mes hommes. Ils veulent leur part du gâteau. Ils mèneront la charge. J'ai dit qu'on vous aiderait. Et tu tiens ta parole. Je le fais pas que... pour tenir parole. Ceux qui envahissent mon pays n'ont aucun respect pour la vie. Ce gaz détruit tout. Même la nourriture dans nos jardins. Et tous ceux qui l'utilisent sont mes ennemis. Pas d'exception. Non. Alcatala a sali la réputation de mon peuple. Et nous avons payé cher pour leurs crimes. Je veux que le loup soit puni. Je ferai en sorte que tu sois là quand on le livrera à Price. Et toi ? Tu iras où quand tout ça sera fini ? Là où on m'enverra. Sans discuter ? Pas le choix. Repose-toi. Demain est un grand jour. Et toi et tes hommes ? On reste jusqu'au lever du soleil. Je vais couvrir l'autre coin. L'hôpital se trouve au bout de la route. 500 mètres. J'y vais à pied avec les marines. Echo 3-1. Sergent Griggs. C'est moi. Appelez-moi Alex. Pas de loco cette fois. J'y peux rien. Karim ? C'est ça. Beau travail avec les Russes. Entre amis et ennemis. Bonne chance. Merci. On se reverra bientôt, Adir. Allez, Alex. Marines ! L'heure de foncer dans le merdier. Vous allez découvrir une zone pleine de cibles. Faites gaffe aux fenêtres. On a intérêt à rester sur nos gardes avec tout ce bordel. Suivez le blindé, ne le perdez pas. Viper 3-5. Viper, vous êtes où ? Viper en route. Trouve au croisement dans un kilomètre. Merci. Viper terminé. On a des pièges dans la cour, sergent. 3-1. Vous pouvez les désamorcer ? Compris, je m'en charge. Alors, attends, apparemment, il y a des pièges. Ah oui, les explosifs. Je pense qu'il vaut mieux, effectivement, les désamorcer. Alors, c'est marrant, je viens de désamorcer le piège, j'ai récupéré une grenade. Mais quel rapport ? En
faut suivre le blindé. C'est le 3-1, ils m'ont dit, il me semble. 3-5, 3-4. Ah d'accord, donc ça va en descendant. 3-3. L3-2, le 3-1, il est où? Oula. Attendez, il n'y avait plus un bruit d'un coup. Et là, ça a explosé. Bon, attention. À couvert. On se méfie. Alors, activer, désactiver hybride. Ah ouais, cool. Cool. Fumi. Très bien, t'as raison. Parce qu'effectivement, là, on peut pas avancer. Hein. On est un petit peu sous le feu des projecteurs. Allons-y. Attention. Il y en a par là, je pense devoir tuer, penses-tu? Ok. Attention, je veux pas allumer. Ah ouais. Ah, ils sont nombreux, j'ai l'impression. Hein. Attention. Il était pas mort. Bah attends, mais... ça spawn à l'infini ou comment ça se passe? Ok. Visu, la grenade, attention! Visez là-haut. Ok. Je monte. Attends. On parlait de trucs, grenade, je sais pas quoi là. Oula, attention, je l'ai vu un passer là. Je suis pas fou, les gars. Attends. Je ne suis pas fou. Attends, il était pas avec moi lui? Je sais pas, il me semble qu'à un moment où j'ai vu. J'ai vu un allié en bleu. Oh, Dragunov. Parce que le tir allié dans ce jeu n'est bien sûr pas autorisé, vous le savez. Effectivement, c'est un sergent. Je ne tue pas mon sergent. Non mais oh. Attends, là-haut, il y en a un, non? Il me semble. Effectivement. Tu meurs. C'est bon, je pense que là-haut, ça le fait. Ensuite. Oula, il y en a un qui envoie des roquettes. Dangereux, ça. Ok. Touché. Sûrement on aura vu un ici, mais je suis pas sûr. Pour l'instant, on est plutôt protégé. Je pense que les mecs qui sont par là. Ouais, de toute façon, il vaut mieux les esquiver. Je pense qu'on peut pas les tuer d'emblée, quoi. Ok. Je pense qu'on va devoir envoyer la fumée, moi. Attends, je fais le tour. Je contourne. Effectivement, fumigène, c'est ce que je pensais. Allez, envoie la fumée. On se méfie. Par contre, j'ai pas envoyé un petit peu. Si. On va l'envoyer, mais plus au milieu. Parce que là, on risque pas d'avancer comme ça, les gars. Ah, très bien. On peut y aller, tu penses? J'espère que oui! Tu meurs! Salut! Oh merde, ça arrive de ce côté! Oh quel con! Attention, je vais mourir! Je suis allé un peu trop vite! Je suis allé un peu trop vite, ça va exploser! Le véhicule va exploser! Et je suis mort. Eh, c'est chaud! Eh, forcément, il y avait le véhicule. J'y ai pas pensé. En plus, j'ai vu le logo, mais j'ai mis à peu près 3 ans hein, pour réagir. Ce n'est pas grave, on recommence! Là, si on meurt. Hein. On meurt plusieurs fois dans chaque vidéo, c'est pas un souci. Hein. Voilà, je vous laisse également les fails, c'est marrant comme ça. Je pense pas qu'on peut les toucher, effectivement, ils sont trop bien planqués. Je sais pas ce que c'est qui a explosé sur nous, hein. Ok. Quoi qu'il en soit, on va envoyer une fumée. On va passer par là, tiens. Tu l'as tué? Grenade, attention. Tranquille. Dans les jambes. C'est tendu tout ça, donc heureusement que j'ai la blinde de munitions. Hein. Sinon, ce serait compliqué. Je rentre dans le garage. Incursion. Ça chire à côté. Ok, il est avec moi. J'ai quoi comme seconde arme au fait? Le Dragunov. Ouais, on va le garder celui-ci hein, pour le combat à distance. Ça peut avoir son importance. On est où au fait? Les gars là-haut. Comment sont des races? Je ne sais pas du tout. C'est une bonne question. Donc on va essayer de grimper, je pense. Ah d'accord, faut rentrer là-dedans. Logique. Oh l'enfoiré. Attention. C'est bon, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on a là ici? Oh, une PKE. Bon, on peut potentiellement se faire plaisir. Vous emprunte la PKM. Oh non, j'ai pas vu. Mais je suis con, le piège. Mais oui, Galax, le piège, t'as pas regardé. Eh, forcément, fallait que ça m'arrive une fois. Hein. Donc alors, attends, comment on fait? On est obligé de... On est obligé de monter, de toute façon. Ah ouais, alors on passe par là. Et on désamorce. Ok. Très bien. Attention, y'a personne là.
là-haut, ben on voit, il y aura forcément du monde. Coucou! Voilà, le ménage! Quelle brutalité! Compris. À toutes les équipes, rejoignez le convoi. On va se regrouper à l'hôpital et trouver l'homme qui surnomme le loup. On donne 1-2 à Red Hammer 7. On se fait tirer dessus par l'équipe qui défend l'entrée dessus de l'hôpital. Le monde qui tire dessus, les gars. Compris, le ménage. Attention, ça va choper. Alors attends, qu'est-ce qu'on propose là? Une falle. Non mais c'est bon, elle est bien celle-ci. Alors, chez les grenades fumigènes restantes. D'accord. Tenez la position. Ah, c'est ce que je fais. Pour l'instant, on attend. On reste à l'abri derrière le blindé. Cible détruite. Vecteur dégagé. À toutes les unités. À voie élite. Vous pouvez avancer. Compris. Je vois personne les gars, c'est normal? C'est même pas drôle? Je veux pas que j'ai mon Dragunov. J'aimerais bien tirer un petit peu mais je vois personne. Ah bah non! Un lance-roquette, attention! Ah, je pense que le véhicule est mort. Hein. J'ai mon collègue qui se fait tirer dessus. Allez, avance un petit peu, apparemment ça arrive de ce côté. Ah oui! Poussez-vous, j'ai pas envie de me faire éliminer pour tir allié. Attention la grenade! Dans quel niveau? Ils sont où, ils sont là-haut? J'en sais rien, c'est une bonne question. Aïe aïe aïe! Je peux-tu manger celui-ci? Hein. On peut passer par là? Non, c'est un cul de sac eux. Tant pis. Je monte par ici. Ok. Salut toi. J'ai réussi à le louper quand même. Hein. Oh, j'ai un RPG. Attends, j'ai un petit RPG des familles. Laisse-moi faire plaisir un petit peu. Vous êtes prêts les guys? Allez. Le plaisir. Attends. Prends ça! Je sais pas si je l'ai eu en plus, c'est ça le pire. Attends, Dragunov pour être sûr. Bon, si quand même, faut pas déconner. Si là je l'ai pas eu, c'est un gros souci. Bien reçu, bougez, bougez. Mangez, bougez. 5 fruits et légumes par jour. Ok. C'est pas un lance-roquette ça? Non. J'étais pas sûr. Efficace hein, cette arme, mine de rien. Toujours le Dragunov, ouais, je le garde. J'en ai vu un là. Ok. Ensuite. Oh! Oh! Pardon, sergent! Je suis trompé! Je recharge, recharge, recharge. Du côté. Ok. À la réception. C'est où la réception? Là-bas? Non, pas du tout. Mort. On avance hein. Assaut. C'est bon. Les gars se mettent en chasse. On chope ce salopard, Griggs. Oui mais on le veut en vie, toi. C'est compris. Alors attends, moi je veux bien ce petit bébé. Avec plaisir, qu'est-ce qu'on a par là? Rien? Eh ben on avance. Oh non! Les civils, mais c'est pas vrai! Regardez vous tirer, mais oui, mais je suis un bourrin! Moi j'ai pris une arme pour bourriner les mecs! Attendez! Fallait me prévenir! Oh là là! Je te jure! Allez! Ah ouais, mais. D'accord. J'étais pas sûr qu'il soit mort. Par contre, faut vite recharger cette arme! Ah, je suis un peu surpris! Laisse-moi recharger ma moissonneuse batteuse. Grenade. Grenade, les gars. Je te dis, grenade. T'es sourd ou quoi? Grenade. Je déteste cette arme. Est-ce que je peux changer? Attends, j'en prends une autre hein, parce qu'elle est chiante. Je vais vraiment prendre une autre. On avait quoi? Uzi. Allez, on prend l'Uzi, ce sera très bien ça. L'Uzi, ça ira très très bien. Attention sniper! C'est à moi qui pensais l'avoir tué. Ok, je passe par ici. Les gars. Ouah, j'ai pas vu qu'il y avait des trucs! Je m'avance un peu trop! Je le savais!
Attention, laisse-moi respirer, guys. Laisse-moi respirer, parce que là, je suis toujours dans la zone rouge. C'est bon ? Il est plus là ? Il est parti ? Le con ? Attends. Je prends le modèle. Viens pour pas. Oh, quel plaisir. Oh, ça, quel plaisir. Donc, c'est chaud chaud. Petit poteau. On avance. Par contre, j'avoue que j'aurais bien récupéré ma petite M4. Non, c'est pas grave, je reste avec avec Luzi. On va prendre la AK quand même. Je pense que ça a une meilleure portée, même si je ne suis pas sûr non plus. Tiens, je prends ça. Il y a un nombre d'armes, mais c'est hallucinant quand même. Il y a tellement. Ok. C'est une putain de morgue ici. Peut-être une embuscade. Effectivement, j'ai un pompe. Hein. S'il faut bourriner, je suis présent. Point de contrôle. Les 23, ici 1-2, vous en êtes où ? Oh ! Oh ! Oh non ! Ah, il m'a surpris ! Mais j'arrête pas de me faire surprendre dans ce jeu, mais c'est incroyable ! Mais oui, on est entouré d'ennemis potentiels ! Aïe 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 ! Est-ce qu'on peut le tuer tout de suite du coup ? Attends. Vu que c'était lui, on est bien d'accord ? Attention. Et lui alors ? Il est équipé en plus ? Non, c'est bon ? On avance. C'est quand même terrible. Hein. Oh. On va se calmer les filles. Je sais pas si je les touche de là, je pense pas. Ça peut leur faire peur un petit peu. Oh. Ah oui. Ah quand même. Alors attends, je suis dans le rouge. En fait, je pense qu'il fallait courir très vite par là. Attention. Ok, petite glisse à des familles. Ouais. De l'autre côté. C'est la folie. C'est une telle violence. Attends. On va prendre ce modèle plutôt. Oh là là, oh là là, oh là là. Attends. La grenade pour vous. Ok. Là-bas. Ah, c'est une mitrailleuse. Aïe. De l'autre côté, vite! Attention sous les pièges! Oh la grenade de con! J'aurais dû la renvoyer! Pardon, j'ai envoyé une grenade, je ne sais où! Réflexe! Il y avait un explosif! Il y avait un piège! Oh là, qu'est-ce que c'est dur! Et en même temps, on fait pas mal de bêtises! Allez! Hop, petite grenade pour vous là-dedans! Commence à connaître un petit peu comment ça fonctionne. Il n'aurait pas par là par hasard. Regardez-le là-bas. Ok. Tu le tues, guys. Thank you. Attention. Ok. J'ai vu là-bas. Montre-toi. Avec le petit AK-47. Ok. À droite, vite, 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 let's go. Attention de l'autre côté. Ah, mais je suis bête, au fait, je viens de voir un truc. Mais oui, mais les explosifs, ce sont les grenades, justement, sur les pièges. Regardez, mais qu'est-ce que je suis con ? Pourquoi ? En fait, j'avais pas fait attention depuis le début. Mais bien sûr que l'explosif... Pourquoi ça m'est pas venu à l'idée, en plus ? Je sais pas. Des fois, je suis bizarre, hein. Ah, vous allez vous rire de moi dans les commentaires, c'est sûr. C'est normal, d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'explosif sur les pièges, c'était des grenades. Ah, c'était tendu, hein. Ah ouais. C'est ultra tendax. De Demon 3. Ok, attention. Allez voir dans la pièce. Ah, comme ça, au moins, ça m'aide de récupérer des grenades à chaque fois. Bah oui. C'est cool. Caméra prête. Caméra. Ok. Tes hommes ne te sauveront pas. Vous êtes si cynique pour me tuer, mais vous, vous mourrez à cause de vos bombardements sans fin et de vos guerres par procuration. Qu'est-ce que vous voyez, quoi ? Tant que vos missiles et vos balles continueront de frapper notre peuple, nos couteaux continueront de vous trancher la gorge sans fin en représailles. Quelle est la situation ? Les gouvernements qui s'invitent chez nous de leur propre...
Présence du loup confirmée. Trois marines pris en otage. Il va les tuer. On doit y aller. Les enfoirés. Prenez-les à revers, je passe par devant. Alex, elle a fait. Vous trouvez un moyen de contourner. T'en prie. On recharge tant qu'on y est. La porte, droit devant. Let's go. Mauvaise idée. Fallait pas faire comme ça. C'était sûr. Alors attends. Riggs, on entre, à vous. Je m'écarte. Attends. Ah, y'a le piège. Ah ouais, y'a le piège direct, attendez. Regarde. Ouvrez doucement la porte pour voir comment désamorcer le piège. Ah, d'accord. Oh là là, j'aurais dû y penser en plus, hein. C'est tellement évident. Attrapez le loup. Prenez cet animal vivant, Alex. Ne le tuez pas. Neutralisez-le. On va le choper. Viens par là. C'est bon. Ça va aller, mon pote. T'inquiète pas, on est là. Va, Alex. Ouais, Griggs. Omar Suleiman, vous êtes en état d'arrestation par les forces spéciales. Faites exactement ce que je vous dis, ou vous êtes un homme mort. Parfait. À toutes les équipes, les Marines vont bien. Le loup est dans le sac. On l'emmène à l'ambassade. Et voilà, on s'arrête là pour cette seconde vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. J'espère que vous aimez cette campagne tout comme moi. Franchement, je prends un pied monstre. On a encore fait 3 missions aujourd'hui. Donc voilà, ça avance bien. Je ne sais pas du tout combien de temps dure cette campagne. Mais en tout cas, on fait un petit peu feeling. Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le like. Ça fait toujours très plaisir. C'est la récompense. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.